Happy Lifer et bienvenue dans ce nouveau van tour. On vous présente Stuart, c'est notre mini maison roulante. Alors c'est un Citroën Jumpy L1H1 fourgonnette. Il fait 90 chevaux, il est de 2011. Et il a environ 145 000 km actuellement et il est vraiment en pleine forme. À l'avant, on trouve 3 places, enfin c'est plutôt 2 places et demie, mais on a déjà voyagé à 3 adultes et franchement ça marche. Et là, en ce moment même, on voyage avec Hera et Cléo, nos deux animaux, et franchement, on s'en sort très bien. Par rapport à notre ancien fourgon qui était un L3H2, eh ben, on se retrouve dans une petite maison, puisque à l'arrière, on a quoi, à peu près 2,20 m de long par 1,40 m de large. C'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais vous allez voir, on a vraiment tout optimisé dans ce fourgon. Donc ce fourgon, on l'a entièrement rénové et retapé l'été dernier. On a fait plusieurs petits voyages avec et ça nous a permis de tout optimiser. Allez, fini de parler, on va vous montrer tout ça. Donc tout a sa place dans le fourgon. La seule chose qu'on a besoin de retirer quand on arrive, c'est ça. Mais ça, on vous en parlera après. Donc c'est un petit fourgon, on ne tient pas debout dedans, mais on a fait une banquette qui est assez grande. On a déjà mangé à 3-4 autour de la table, il n'y a pas de problème. À l'entrée, on a mis un petit thermomètre et un vide-poche. Et ici, on a l'interrupteur pour allumer la lumière. Mais ce qu'il y a de plus important ici, c'est ce qui se trouve sous la banquette. Donc on va vous montrer tout ça. Alors dans ce petit coffre à l'entrée, on a tout ce qui doit être accessible rapidement, c'est-à-dire nos chaussures, des vestes, les affaires des animaux et les chargeurs de batterie de tous nos appareils. Et aussi là à l'extérieur, on a deux petites prises. Voilà. Là, on a la place pour mettre les gamelles et voilà, pas de problème. Dans ce coffre-là, on a pu mettre tous nos habits. Donc voilà, c'est pas très bien rangé, hein, mais tout y est. Pour accéder au troisième coffre, il faut bouger la table. Et je vais laisser Jordan vous en parler. Alors pour y accéder, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça se fait très bien. On enlève ce coussin-là. Hop, on écarte les petits coussins derrière. Et hop, on peut soulever ça. Donc là, nous avons notre nourriture pour tout le séjour. Ici, ce sont les pare-soleil pour nous protéger la nuit. Ici, nous avons notre couette. Alors ici, nous avons la batterie 90 ampères. C'est une batterie gel qui est très performante. Nous avons ensuite le coupleur séparateur qui est ici, qui permet de recharger la batterie à partir de l'alternateur. Le coffret électrique avec tous les fusibles de chaque appareil qui fonctionne à l'électricité dans le fourgon. Et pour finir, nous avons ici le MPPT qui sert à charger la batterie à partir du panneau solaire qui se trouve sur le toit. C'est un panneau solaire de 110 watts et ça nous suffit amplement pour notre consommation. Sur le toit, nous avons aussi un lanterneau qui nous apporte pas mal de lumière. On a un affichage du voltage de la batterie, ce qui nous permet de voir si la batterie est pleine ou si elle est vide. Et ici, nous avons prévu le rangement de notre tente d'intimité qui nous permet de prendre notre douche et aller aux toilettes sans qu'on nous voie. Donc ici, on a fait un petit placard, bah, vous avez vu, il y a un petit miroir. Et là, il y a toutes nos affaires de toilette. Donc les serviettes, le papier toilette et bah, nos trousses de toilette. Et bien sûr, on a fait un petit rangement caché. Donc en fait, il y a la réserve d'eau. On a à peu près 28 litres d'eau ici. Et là, c'est un rangement qui est assez profond. On a encore des affaires pour les animaux, la trousse de secours et des petites choses comme ça. Alors voici maintenant la cuisine, une partie très importante dans un fourgon. Ici, on a fait plein de petits rangements pour mettre les brosses à dents, le thé, l'huile, les condiments. Et du coup, là, on a un robinet. Hop, très bon débit. Avec un petit évier où la plupart des assiettes rentrent. À part si vous avez des assiettes grandes comme ça, mais bon, là, ça va être OK. On a un premier placard ici. On a notre douche solaire, une cuve d'eau pliable qui nous permet de recharger en eau un peu partout, c'est très pratique. Là au fond, on a notre cuve d'eau propre que Sarah vous a montré de l'autre côté. Et pour finir, nous avons la cuve d'eau sale ici, de 15 litres, mais au moins ça nous a appris à être économe en eau. On continue les placards. Alors ici, on a un double placard
où là on a nos jerricanes d'eau propre également. Cela permet d'augmenter le volume d'eau potable pendant le voyage. Ici on a la bouteille de gaz qui nous permet d'utiliser la plaque de cuisson qu'on vous montrera tout à l'heure. Ici nous avons quelques réserves de nourriture encore, nos tasses, nos assiettes en bambou. Et maintenant je vais vous montrer la plaque de cuisson. La pièce maîtresse de ce fourgon. Tadam ! Comme on aime bien les petits rangements cachés, sous le plan travail, hop, on a un rangement pour ranger tout ce qui est passoire, toutes les casseroles, les accessoires du Kadak. C'est très très pratique. Et pour finir, on a fait un dernier petit rangement ici pour mettre encore de la nourriture. Et là, on a un petit plan de travail pour faire les découpes. Ici, on a fait encore un rangement spécial pour les tabourets. Ce qui est chouette avec cette cuisine, c'est qu'on peut avoir directement la table à côté. Il suffit de tirer ces glissières ici, d'aller chercher la table qui se déclipse facilement à l'aide de son système, et hop, on la met sur les glissières, et puis le tour est joué. Maintenant que le plateau de la table est défait, je vais directement vous montrer comment on fait le lit. Je dévisse le pied qu'on met directement en dessous. Je place la table sur les taquets en bois qu'on a créé. Hop, et j'ai plus qu'à ramener ce coussin là au milieu. Il n'y a plus qu'à installer les draps et la couette. Fermer ce petit rideau occultant. Et le tour est joué. Le lit fait 190 de long par 125 de large. C'est suffisamment grand pour tous les deux. Alors, en ce qui concerne l'hygiène, tout à l'heure, Jordan vous a montré notre tente de douche et la douche solaire. On a fait une vidéo spécialement dédiée à ça. Vous pourrez la retrouver en cliquant ici. Mais là, on a une toute nouveauté qui nous révolutionne le voyage. Ce sont des toilettes sèches. Donc, ce sont des toilettes sèches de la marque Boxio et elles sont portatives. Et ben, vous pouvez voir que c'est très léger. Donc, il y a deux compartiments. En fait, c'est là les toilettes sèches et dessous, il y a un rangement qui permet de rehausser. Donc, en fait, c'est plus confortable de s'asseoir dessus. Donc, elles ont un couvercle et ça se présente comme ça avec un séparateur d'urine. Donc, ici dessous, il y a un bidon où vont les urines. Et là, on a un bac pour les matières solides. Donc, ici, on a juste à mettre un sac poubelle et le tour est joué. Dans le petit rangement dessous, on a de la litière pour mettre dans les sacs poubelles qui sont juste ici. Boxio, c'est une marque allemande qui a débuté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tous leurs accessoires comme ça sont faits à partir de plastique recyclé. Donc, on trouve ça vraiment cool. Vous pouvez aller voir sur leur site, ils font différents types de choses pour le camping. Et c'est tout dans des caisses comme ça. Donc, il y a des éviers, des rangements, des toilettes. Et là, vraiment, ça fait un petit moment qu'on les utilise et on trouve ça vraiment top. Déjà, ben, c'est confortable, c'est bête à dire. C'est pratique parce que c'est portatif, donc on peut les amener un peu où on veut. Si on a une belle vue ou si on peut aller se cacher dans la forêt, on le fait. Et quand on n'a pas trop de choix, ben, on utilise notre tente de douche que vous a montré Jordan tout à l'heure. Et on peut se cacher dedans. Si jamais on n'a vraiment pas de choix, qu'on est sur un parking, on a toujours la place dans le fourgon. Il faut juste pousser un petit peu la table et on peut s'installer confortablement. Voilà, c'était la minute petit coin, mais franchement, on est super contents. On espère que la présentation de Stuart vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un commentaire et à partager cette vidéo. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que Stuart va être à vendre. Et oui, on a besoin de le vendre pour avoir un petit apport pour financer nos nouveaux projets qui arrivent très vite. Donc, c'est notre dernier voyage actuellement avec lui. Et à notre retour, eh ben, on le fera tout beau, tout propre et puis on le mettra en vente. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé. On vous répondra en vous donnant tous les descriptifs que vous souhaitez. Il faut savoir que c'est un petit pincement au cœur pour nous de le vendre parce qu'on l'a aménagé à notre façon pour voyager au mieux avec. Mais en tout cas, il nous aura permis de pas mal profiter et de traverser différents pays. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager.